on se retrouve pour une vidéo très sérieuse. Et les gens se disent, dans son gobelet, il a certainement de la vodka. Non, du café. On peut vérifier. On peut vérifier, effectivement. C'est du café. Pourquoi t'as un gobelet en carton ? Parce qu'il veut pas faire la vaisselle. L'inflation. Donc il pollue. Attendez, là on est parti sur un mood trop sympa, machin. Là, aujourd'hui, on ne rigole pas. C'est sérieux quand même, le Uno. C'est hyper sérieux. On va jouer avec une professionnelle, une arbitre professionnelle du Uno, Betty, qui est parmi nous, qui a accepté. C'est un rêve, hein, de pouvoir jouer au Uno avec une arbitre officielle, c'est vraiment... Peut-être quoi, le top 50 des rêves, peut-être top 100. 100. Ouais, top 3, moi. Un rêve de gosse. Juste, il y a top 4, c'est être milliardaire. Ouais, ok. Donc tu passes au-dessus. Tu passes au-dessus. Ouais. Je suis un peu flattée. Betty, tu travailles donc chez Mattel qui fait le Uno, mais surtout... Tu connais Barbie ? Oui. Elle existe vraiment ? Elle est pas si grande. Eh, en vrai, Mattel, vous avez eu du buzz l'an dernier avec Barbie, non ? Hein ? Ça a revendu de la Barbie, hein ? Vite fait. À quand le film Uno ? Demain, là, c'était la dernière scène. Attends, mais moi, je veux voir le film Uno. Je sais pas ce que ça peut donner, mais... C'est que des mecs qui se prennent la tête parce qu'ils comprennent pas les règles. Je te jure que le plus 4, on peut le mettre après un plus 2. On dirait une mauvaise comédie française. Ouais. En plus, j'ai bégayé et tout. On a Betty qui a arbitré la finale de la Coupe de France de Uno. Oh. Donc, c'était énorme. C'est absurde. C'est déjà fou qu'il y ait la Coupe de France de Uno. Oui, déjà. L'info de base est ouf. Du coup, grâce à toi, Betty, on va pouvoir jouer dans les règles de l'art. Parce que vous savez, le Uno, on a tous un peu notre manière de jouer. Oui. Moi, je mets des doubles cartes. Hein. Dès que j'ai 2-3, je mets 2-3. Il y a un soufflement là-bas. Betty, tu vas avoir l'occasion de remettre à leur place, s'il le faut, puisqu'on a Jordi, Max et Pierre. Si on respecte pas les règles, n'hésite pas à nous le dire. Mais alors, je suis un très mauvais joueur, ça les gens le savent historiquement. Ah oui, oh oui. Par contre, j'adore quand c'est fait avec les règles. Ah. Bah ouais, en fait, j'aime pas. Je suis pas très tricheur, je suis mauvais gagnant, mauvais perdant, tout ce qu'on veut, mais j'aime bien respecter les règles. Dis-le. Non. Dis-le. Et on va pouvoir tester ça tout de suite. D'ailleurs, comment on commence au Uno ? On coupe de la main gauche la main du cœur. Oui, déjà. C'est non, c'est vraiment ça ? Toujours la main du cœur. C'est parce que je fais de la voyance parfois. Donc. Il y a des plus 4 en voyance ? Ouais. plus 4 années. Ouais. Alors, je peux distribuer les cartes avec grand plaisir, mais il y a une règle officielle. Ah, bon, on va faire officiel. Ne la respectons pas. C'est le joueur. Est-ce que c'est le joueur le plus jeune ? La main innocente ? Et non. C'est moi. Il faut piocher une carte. Chacun pioche une carte. Attends. Qui pioche la première ? Mais oui, il pioche la première ! Alors, celui qui commence, c'est la personne qui est la plus jeune. Allez ! Tu retournes une carte. Voilà. On fait dans le sens aiguille d'une montre. Juste, t'as quel âge ? J'ai 24 ans. Ah, attends, c'est pas sûr par rapport à Pierre. Si, y a pas match, y a pas match. Attention. Allez, y a peu de suspense. Y a vraiment peu de suspense. Normalement, y a la règle des 3. 8 ! Ouais, c'est bien, 8 ! Allez, moi j'ai un 4. C'est moins bien que 5. Il faut 13. Et que 8 ? J'ai 8. C'est celui qui a le plus petit chiffre qui va commencer. Voilà. À distribuer les cartes. Ah. Pas mal. C'est vraiment ça. Oui, tu distribues les cartes et après tu vas pouvoir laisser la personne de gauche commencer. Le gagnant de la Coupe de France, qu'est-ce qu'il gagne ? Il a gagné un voyage, je crois. Attendez, mais ça vaut le coup. Il y a un vrai truc, quoi. Non, mais je propose que les gens jouent avec mon jeu. On est ensemble, vous faites POV. Alors, il reste quand même quelque chose à faire. Tirer mais la oui, première la carte. Première. Enfin, bon, en fait. Oh merde. C'est le café de Pierre, tu viens de boire dedans. Désolé. Il y a une règle sur le fait que quand on boit le café de l'autre. Ouais. Normalement, tu pioches deux cartes. Mais c'est le début. Juste petit rappel, à la fin, les perdants, ils doivent compter leurs points et du coup, faut mieux se débarrasser des grosses cartes, c'est ça la stratégie ? Tout à fait. Mais attends, oui. Petit rappel. Celles qui n'ont pas de points, qui sont des cartes bonus par exemple, genre saut de ton tour, changement de sens et tout, ça vaut combien ? C'est 20. 20 ? Là, il y a un 8 rouge. Si j'ai moi-même un 8 rouge, je peux passer devant tout le monde ? Absolument pas, jamais de la vie. C'est une erreur, tu vois. Grave erreur. Allez, j'y vais, je me lance. Change de sens. Changement de sens, et je rappelle, alors tu me dis si je me trompe, Betty, quand on joue à deux, on n'a pas le droit de mettre le changement de sens, ça ne sert à rien. Alors, on a le droit de le mettre, on n'a pas le choix. Il y en a qui le mettent et qui disent, bah du coup, c'est à moi de jouer. Mais non, en fait, c'est juste qu'au lieu de faire ça, ça passe ça. En vrai, si. Bah oui, tu rejoues. Ah, tu rejoues, d'accord, ok. Ok, et bah écoute, Pierre, tu ne joues pas. Allez. Cassé. Mais si, patron, joue. Il change de sens. Ce qui m'intéresse, là, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire ? Pas grand-chose. Ah, il peut pas mettre plus de... Ah non, là, tu prends deux cartes et tu te tais. Même un plus de... Bah, je suis désolée. Et là, pareil. Donc là, il joue pas. Là, c'est relou, là. Comme on a le droit, mais c'est mon patron, je vais faire ma gueule. Oh, déjà intéressant, j'ai plein de questions. Ah oui ? Là, elle choisit la couleur qu'elle veut. Ouais. Oui. Et est-ce qu'elle rejoue ? Est-ce qu'elle rejoue ? Ouais. Non. On est d'accord que Jordi peut décider de remettre la même couleur qu'il y avait avant. Oui. Je vais demander du vert. 7. Question ?
Quand la barre est en dessous, c'est un 6. C'est un 6. Ah ouais, mais t'es, venez, on fait, on fait un peu 8 plus ans, là. On va rapide. 7. 5. Ah, et là, je suis coincé. Donc, je change de couleur et je me mets du rouge. Alors, c'est un 9. Ok, c'est un 0. C'est un... Tu joues pas, Pierre. Ça, j'aime pas. Je mets un 7. Je pioche. Oh, tu pioches. Et là, est-ce que si je peux, je peux? Bien sûr. C'est comme la bonne pioche aux 7 familles. Aïe, aïe, aïe. Mais Léo, t'as 200 cartes de toi. Donc ça se complique pour le joueur français. T'as pas de rouge. J'ai pas de 9 ni de rouge. Est-ce qu'il y a une carte où on n'a pas le droit de finir avec cette carte-là? Par exemple, des cartes noires. Ah, ça, c'est une bonne question. On n'a pas le droit de finir avec la plus 4. Allez, pioche. Bah, j'ai Uno. Il y a 10 ans. Uno. Mais Léo, il prend toujours la... Attends, t'es en Uno. Ne changez surtout pas de sens, les amis. Changez de sens, les amis. Donc là, on n'a pas le droit de mettre ni plus 2 ni plus 4. Non, par contre, vous vous rappelez du bluff. Ah non, 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 non. C'est ah une non. règle. Là, tu as mis un plus 4 sur du 7 rouge. Normalement, ça veut dire que dans ta main, il n'y a pas de rouge. Tu peux avoir un 7. Ça veut dire que quand tu vivras constant, ouais. Il va mettre... Non, c'est bipé. Il va mettre son plus 4, je peux l'avoir au bluff. Tu as le droit d'accuser quelqu'un de bluffer, mais il faut que tu sois sûr de toi un maximum. C'est-à-dire que là, si toi qui as posé le plus 4, quelqu'un peut... Il va me le mettre. Je sais pas le mettre. Il est là, je vois. Si jamais t'as vraiment bluffé, tu te prends 4 cartes. Si t'as pas bluffé, si vraiment t'as menti, imaginons tu l'accuses, tu lui dis tu bluffes. Ça veut dire que dans ta main, c'est une carte rouge. Si là, il me demande le truc, moi je suis en Uno là. Ouais. Je vais pas le montrer à tout le monde. Ah si. Je peux le montrer à lui. Tu le montres. Oui, tu lui montres à lui. Voilà, s'il te plaît. Mais tu dois montrer la carte. Donc est-ce que tu me crois? Ouais, moi je te crois tout le temps, de toute façon. Et moi je vais dire jaune. Donc je le répète, je n'ai pas le droit de mettre de double carte. Ça n'existe jamais. Non, ça n'existe pas. Je vais quand même demander à chaque tour. Ça c'est du bleu, je peux pas. Ça c'est du vert, je peux pas. Max! Ah! Il avait senti. Chef! T'es sûr que tu bluffes pas? Ouais, c'est sûr que je bluffe pas. T'as quoi dans les mains? Tu l'accuses là? Non, c'est bon. J'ai vu dans le reflet. Bah oui, oh, je suis con! Je triche jamais, mais si un qui est con, il est con quoi. Bon allez Pierre, prends 4 cartes. Ouais, bah du coup je te crois. Et quelle couleur pour Léo? Bleu mon lait. Uno. Non pardon, je rigole. Oh, pop. Qu'est-ce que je risque si jamais? Deux cartes. Et je crois que tu peux être banni à vie, tu peux plus acheter un Uno ou jouer Uno. Et d'ailleurs moi j'ai une vraie question par rapport à un propos qui a été dit par un candidat. On ne dit pas Uno, mais Uno. Uno. Voilà, merci Pierre. Putain, je suis désolé Max, tu viens de te faire un... Ah non, justement. C'est moi qui... Ah non, putain, je suis désolé. Mais le pauvre Léo, il est trop victime dans le jeu. Choisis ta couleur, par contre, fais gaffe. J'ai appris hier que ma mère me déshérite en plus. Ah voilà, quelle erreur. Sale journée. Ah, la bonne question. Ça, moi, pendant des années, on m'a dit que c'était possible. Non. Mais non, Pierre. Je viens de lui demander la même chose, c'est vite. Mais non, mais le même joueur. C'est ça. Quand t'as le double, le même joueur. Non. Mais si, s'il te plaît. Faut que je me venge. C'est pour moi. Hein. Par contre, j'ai une question, Betty, qui me vient immédiatement. Première question de cette vidéo. Si, il n'y a pas de zéro, là. Si. Si on finit le jeu, enfin, Ellie gagne, mais moi, j'ai un zéro. C'est comme si j'avais gagné, au final. J'ai zéro point. Oh, c'est super. Question con. Question, ça, je peux pas faire d'un coup. Mais non. C'est pas la même couleur, c'est pas les mêmes chiffres. Allez, vert. Bah oui. Oh waouh, il m'a eu là-dessus. Là, ce soir, Betty, elle reste avec nous jusqu'à 22h. On en fait 10. Là, t'es officiellement en train de bosser. Ouais. Oh. Nous aussi. En fait. Ouais. Attends les gars, faut changer de couleur parce que Max il est dangereux en vert. Mais après il en a beaucoup du coup Max hein. J'en ai 3. Moi, j'ai deux. Attendez, Guette et Jordi hein. Ouais. Fuck. Oh, non, j'ai dit. Non. Quand c'est égalité, c'est avantage au Uno. Ah chez moi c'était celui qui parlait plus fort. Moi j'ai trouvé que tu l'avais dit quand même très rapidement. Je l'ai entendu assez vite. Non mais moi je suis d'accord pour dire que quand c'est comme ça à la milliseconde. Ah non elle a pas de rouge, ça c'est sûr. Ah ouais? Ouais. Mais comment il sait? Il triche? Non, parce que j'ai analysé son jeu. Tout à l'heure, elle a pas joué sur du rouge. Ça. Et c'est dommage parce que j'ai un but! Let's go! Mais ne jetez pas vos cartes! 4 ans que j'ai pas gagné une partie, putain! Oh, ça c'est 10 points ça! 20! Et donc on va jusqu'à 500 points! Mais à ce niveau-là, moi, 7! Mais 7 que tu lui donnes! Mais là, tu lui donnes tes points! Ah, il faut que j'aille à 500? Oh, waouh! 20, 40, 63 points, je te donne là! Attends, je fais une tête de miniature vite! Ah, oui, vas-y, ça c'est miniatural, c'est bon! Il y a qu'un vainqueur par manche! Ah, mais ça, tu vois, moi je pensais qu'on comptait nos. Genre, moi j'avais 7 et celui qui a moins 3. Ah, c'est pour ça que tu me demandais tout à l'heure pour le 0. Tu donnes tout. Là, tu lui donnes tous tes points. Donc, attends, je vais vérifier que vous comptez bien correctement. Donc là, 70 plus 33. 103. Tu vois, ça va vite, hein? Allez, les gens jouent avec mon jeu, hein. Oh, c'est là. Léo, toi, vite, 1, 2, 3, t'as perdu. Vas-y, couleur. Jaune. Alors, tiens, plus 4, du coup, déjà, avec que 3 secondes. 1, quelle couleur? Waouh. Quelle couleur, pardon, rouge. Vert, rouge. Ah non, vas-y, c'est bon. Plus 2, Pierre. Vite, tu passes en tour. Je suis stressé. À toi. Léo, mets les mains. Non,
mais non, mais non, mais non. Mais là, c'est plus 2, là. Plus 2, tiens. Mais ouais. Ah, toi, j'en dis 1. Plus 4. Non, mais sérieux. Ben, vert. C'est moi, vert. Oui, enfin, c'est non, c'est Léo, moi. Montrez vos cartes, on ne sait pas combien vous en avez. Ah, j'aurais pas dû jouer le 1. Non, j'aurais pas dû mettre ça. 2. Ah, je suis désolée, jaune. Passe ton tour. Vite. Allez, allez, vite. C'est à toi. À toi. Pénalité, là. Pardon, non. Uno. Non. Il a caché ses cartes. Non. Allez, go, il a pas de cartes. Allez, allez. Uno. On reste en rouge, reste en rouge. Ah, j'ai pas de rouge, j'ai pas de rouge. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Changement de sens. Oui. Ok, ça marche. Je reste en rouge. À toi de jouer. Vite, vite. Uno. Non, non, j'ai dit. J'ai dit, non, mais censurez ça, j'ai dit. Allez, il a pas de vert, pas de rouge. Uno. C'est elle, l'ennemi numéro 1 maintenant. Changer de couleur, moi je dis. Rouge. Oh. Oh, jaune. Oui. Uno. Uno. Ah. Oui, la victoire. Regarde, patron, dans ta gueule. Bam, bam, bam. Et t'as pas pioché tes deux cartes. Moi, 3 secondes pour mon cerveau, c'est beaucoup trop rapide, mais je trouve que c'est très fun comme jeu. C'est beaucoup plus fun. Ah, d'un coup là, j'ai apprécié beaucoup plus. J'ai transpiré. Amenez-moi les points. Bah, 3. 3. Mais c'est fou. Mais 9. C'est fou. J'ai 12 points. C'est dommage. Elle a eu 103, j'ai 12. Bah, en même temps, t'avais un Uno, t'avais un mec en Uno, et Léo. On a mis 30 minutes pour la première partie, 5 minutes pour la deuxième. Mais là, il n'y avait plus de questions, là. On était bien, là. Est-ce qu'on en fait une dernière pour voir? Ah bah oui. Je propose pour la dernière, on accueille Betty dans la partie. Ouais, ouais. Betty qui va nous détruire probablement, attention. Pas le bon sens, c'est pas toi de distribuer. Waouh, c'est très atypique. Les gens jouent avec mon jeu. Ok, je suis fair play, tu m'as donné que 6 cartes. J'en prends une 7ème. Je suis fair play, tu m'as donné 7 cartes, je vais en reposer une. À toi, patron. Bah, je peux déjà pas jouer, ça qui est fou. Ah ouais. Non, on se met tous contre Betty. Ouais. Ah ouais. Je suis désolée, curée. Attends, c'est moi encore? Ah oui, c'est toi, je suis désolée. On dirait un éventail. N'est-ce pas? Bah, Uno, non merci, c'est maximum 25 cartes. Comme ça, t'es éliminé direct. 25 cartes, moi, je le fais large sur le Uno normal. Oui, je peux pas jouer, ouais. Ah, c'est fou, ça. Je crois que les cartes ont pas été bien mélangées. Qui a mélangé? Aïe, 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 aïe. Allez, hop, on change de couleur. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien la proposition artistique. T'as que du blé du jaune, toi. Oh non, Léo, après tout ce que j'ai fait pour toi. Vert. Ouais, je suis désolé, Betty, vraiment. Je suis désolé. Mais pourquoi tu pioches deux cartes? Tu m'as dit. Bah, c'est à toi de jouer, mais j'en joue quoi. Tout le temps en pénalité. Mais c'est ouf qu'il soit comme ça. Non, mais c'est ouf. C'est un problème psychiatrique, j'en dis. J'avais jamais joué à un jeu de société avec toi, c'est ouf. C'est horrible. Uno. Oh bah non, tu veux quoi comme couleur? Rouge, s'il te plaît. Merde. À combien? Quelle couleur? Rouge. À combien? Quoi? Ah. Intéressant celui-là. Hein. Et on change de sens. Ta gueule. Attendez, on n'est pas obligé d'insulter. C'est. Non, c'est ouais, ouais. Cette carte s'appelle pas comme ça. N'hésitez pas à décrire vos cartes. Hein, parce qu'on va pas mettre que le top shot aussi. Dis, je mets un, tu vois. Moi, je mets un plus 2. Non. J'étais pas mal. À chaque tour, tu fais une erreur de concentration. Uno. Laissez-moi la couleur. Donc moi là, pour ceux qui se demandent, je suis pas un Uno là. Allez, joue Léo. Ah pardon. Putain, ça se regarde dans le bleu des yeux. Dans le blanc des yeux d'ailleurs. Même dans les expressions, t'arrives pas à te concentrer. Oh là là. Ça dort du côté Betty apparemment. Non, parce qu'elle est trop forte pour nous en fait. Là, elle joue comme si... Ah non, faut que je joue, moi. Pourquoi je parle? Uno. La partie qui est compliquée du côté... Côté Léo Constant. Ouais. Bah en fait j'avoue il en fait des caisses. C'est un pataquès. On dirait un président de la République. Il a jaune, putain, je vais l'écouter. Il le fait en silencieux. Ça, hein. On mettra les sous-titres hein, parce que... Oh, bon salut Victor, je t'offre mon café. Merci. Non. Moi je veux compter mes points. Ouais. Moi j'ai 11 points. Betty a fait des stocks au cas où. 102. Oh il passe en tête. 109. 113. Comme le fameux groupe de musique. C'est un signe. On peut être le prince de la ville si tu veux, quand tu veux. Où tu veux, quand tu veux. On va se faire... C'est vrai que... Non, c'est trop mal chanté. Ah oui, c'est vrai. Bah, je vais y aller, moi. Ouais, ben, bah, ouais. C'était un plaisir, Pierre. T'emmerdes pas, Pierre. Non, mais j'y vais, j'éteins les câbles. Non, bah, t'inquiète, Pierre, t'inquiète. On finit 2-3 trucs, on arrive. Bah, merci, Pierre, les gars, Max, à bientôt. Jordi et évidemment Betty d'être venu. Merci beaucoup. Pierre, il se casse, reste assis. Il a une soirée Cluedo juste après. Là. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez pas certaines des règles, si vous avez. La boîte est trop petite, hein. La boîte est trop petite. Bah, c'est pas à moi qu'il faut le dire. C'est pour ça que personne connaît les règles. Parce qu'il y a une Jordi Boileau. Et si
si vous voulez qu'on fasse une édition sans pitié, no merci, je pense qu'il y en a certains qui vont être pour. Dites-nous aussi en commentaire. Dites-nous comment vous allez. Dites-nous le prénom de votre, du chien de votre beau-père. Tu sais, pour le prochain, les amours. Qu'est-ce que les gens ils veulent voir comme édition les amitiés, quoi. Les amitiés, quoi. Parce qu'on a un petit concept aussi qui est totalement original, qui s'appelle les amitiés, qui n'est pas du tout repris du concept les amours. Et la preuve, j'ai même dit les amours juste avant. On va faire un nouveau volume et on... Dites-nous si vous voulez voir une mécanique, une spécificité. On avait fait la dernière fois avec des gens qui ne se connaissaient absolument pas. Ah, c'est drôle, ça. Voilà, dites-nous si vous voulez qu'on fasse une autre version. Je sais pas, par exemple, on peut jouer avec des détenus d'une prison. Voilà. Moi, je veux juste qu'on se concentre sur aujourd'hui, en fait. Tout ce qu'on raconte jusqu'à maintenant, je veux juste... Ça fait 14 fois que j'essaye de terminer et de faire une intro. Pardon, Léo. Fin de vidéo, merci à tous, merci Betty. Ciao, ciao, à la prochaine. Ciao.